Bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour un nouveau tutoriel que nous allons consacrer à la rédaction d'une checklist destinée au plugin X-Checklist. Alors, cette thématique va faire l'objet de probablement trois vidéos. La première, c'est cette vidéo que nous allons consacrer à l'élaboration d'une checklist passive. Alors, vous allez voir qu'il y a également des checklists dynamiques. Alors, comme d'habitude, je m'adresse avant tout, pas seulement, mais avant tout aux débutants. Et je vais considérer qu'il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de ce petit plugin. Donc, je vais vous le présenter en quelques minutes. Et puis ensuite, on passera à l'objet de notre vidéo, à savoir la rédaction d'une checklist avec la maîtrise de la syntaxe. Alors, X-Checklist, c'est un petit plugin qui fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Ça, c'est important de le signaler. Il est gratuit, c'est important également. Et il est téléchargeable, par exemple, sur le org. Alors, je vous ai indiqué une adresse. Vous pouvez tout simplement faire une recherche X-Checklist dans un moteur de recherche et vous obtiendrez sans difficulté un lien de téléchargement. Comme d'habitude, avec les plugins de X-Plane. Une fois qu'il est téléchargé, il suffit généralement de le décompresser. C'est un fichier zippé. Vous le décompressez dans un répertoire que vous allez nommer X-Checklist et vous allez ensuite déplacer ou copier ce répertoire dans le répertoire des plugins de X-Plane. Tout simplement, c'est toujours très simple avec X-Plane. Le plugin, il va être immédiatement actif au redémarrage de X-Plane sans que vous n'ayez normalement rien à faire. Alors pour ceux qui se posent la question et qui n'auraient jamais utilisé ce plugin, je vais vous montrer très rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit voilà d'une petite fenêtre alors, voilà, qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est une petite fenêtre transparente que vous allez pouvoir comme ça déplacer et dans laquelle vous allez pouvoir suivre votre checklist comme une checklist papier, c'est la même chose, mais sauf que là vous l'avez directement à l'écran et elle va se charger dès que vous allez charger votre appareil. Donc c'est quelque chose de très pratique, de très léger, ça consomme quasiment pas de ressources, donc c'est vraiment très utile. Ce petit checklist donc va vous afficher ses fenêtres. C'est probablement un des plugins les plus connus sous X-Plane. Je pense que tout le monde le connaît, ou presque tout le monde le connaît, ou l'a utilisé. Il est très populaire. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas encore, ou si vous ne l'avez jamais essayé, ben, je vous conseille de le faire. Ça ne coûte rien. Voilà. En revanche, pour fonctionner, ce petit plugin, il va falloir lui donner à manger. Et il va se nourrir exclusivement d'un petit fichier texte ici qui est nommé cList, que je vous ai mis ici, cList.txt. Et c'est ça qui va être, c'est ce fichier qui va contenir votre checklist. Ce fichier-là, il doit toujours s'appeler comme ça, il ne peut pas s'appeler autrement. C'est uniquement ce fichier qui sera reconnu par le plugin et il doit être impérativement placé dans le répertoire racine de votre avion. Dans le répertoire de votre avion, vous allez copier ce petit fichier et automatiquement au démarrage, il sera reconnu par le plugin. Une fois qu'il est installé, on va le paramétrer. Vous allez voir qu'il y a quelques options très simples. Il suffit d'aller ici dans Plugin. Voilà, vous allez ici dans Checklist et vous allez dans Open Setup. Et vous allez avoir cette petite fenêtre ici qui va s'afficher. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choix. Le premier ici, c'est pour les fenêtres opaques ou transparentes. Donc si vous le décochez, vous avez une fenêtre opaque, mais qui n'est vraiment pas géniale. Donc en général, je pense que la plupart des utilisateurs cochent cette option. La deuxième option, c'est pour montrer, c'est pour afficher cette fenêtre. Dès lors que vous avez une checklist présente dans le répertoire de votre appareil, le plugin va vous l'afficher par défaut, sans aucune action de votre part. Alors vous n'aurez pas à aller tripatouiller ici dans les menus pour aller démarrer ou afficher ici des pages, ça se fera automatiquement. Donc ça aussi, je vous conseille de le faire. La troisième option, Turn Copilot On. Alors ça, c'est une option que je vous conseille de cocher, mais qui sera sans effet
dans cette première vidéo. Ça, ce sera utile pour les checklists dynamiques. C'est ce qu'on abordera dans les vidéos suivantes. Mais dans cette première vidéo, vous pouvez le cocher, hein, mais ça restera sans effet. Donc, je vous conseille de le faire, comme ça, ce sera fait. Voice prompt, on va le cocher. C'est simplement pour cocher, hein, ça permet d'utiliser un synthétiseur vocal avec une voix de synthèse. Alors habituellement, moi je le décoche parce que je trouve que c'est pas très agréable, mais on va le cocher juste pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Auto-hide, c'est pour masquer automatiquement la fenêtre. Ça, moi je préfère le décocher parce que vous allez voir que la fenêtre, souvent, elle disparaît de manière intempestive et pas forcément au moment où on le souhaiterait. Et donc c'est pas très pratique. Donc je préfère moi le décocher. Après évidemment c'est au choix. Show widget, bah ça il faut le cocher, hein, c'est pour avoir votre fenêtre. Cette option, cette dernière option là, Show GUI, c'est plutôt réservé aux gens qui ont un casque de réalité virtuelle ou qui travaillent sur plusieurs écrans. Voilà. Donc moi c'est pas mon cas. Donc par défaut je le décoche. Bon, pour les utilisateurs hein, de casques ou de choses comme ça, vous pouvez, ou de plusieurs écrans, essayez-le. Je ne l'ai jamais testé, hein, puisque je n'ai pas le matériel pour le faire, donc je ne vous en dirai pas plus. Vous avez également ensuite deux boutons. Hein. Le dernier ici, Save Settings, bah, c'est tout simplement pour sauvegarder vos choix, hein, vos réglages. Et vous avez ce bouton au-dessus, Move Checklist Windows Down. Bah, c'est parfois quand vous bidouillez un peu votre fenêtre, parfois elle a tendance à partir vers le haut, et puis c'est pas trop le cas, mais parfois on n'arrive plus à la récupérer. Vous voyez, elle est un petit peu avec le, elle est cachée par le menu ici, on est gêné. Donc il suffit d'aller ouvrir hein, ce petit tableau ici de réglage, d'aller cliquer sur ce bouton, voilà, et automatiquement, voilà, ça vous redescend, hein, ça vous recentre un petit peu votre fenêtre de manière à ce que vous puissiez à nouveau la récupérer. Et la faire glisser comme vous voulez. Voilà. Donc ça, vous voyez, hein, les réglages, c'est vraiment très simple. Hein, ça se règle vraiment en 2 minutes. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Alors, une fois que vous avez installé votre plugin, évidemment, ce qui va vous intéresser, ce sont les checklists hein, pour vos différents avions. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver ces checklists? Eh bien, tout simplement sur le org. Hein, où de très nombreuses checklists sont téléchargeables, hein, elles sont mises à la disposition de tous par les créateurs, hein, les gens qui conçoivent ces checklists. Beaucoup d'entre eux les mettent en ligne et les mettent donc voilà, hein, librement en téléchargement. Alors voilà. Bon. Donc après, ces checklists peuvent vous convenir ou pas, hein, mais il y en a énormément. Donc en général, on finit toujours par trouver plus ou moins une checklist hein, qui correspond à notre appareil. Est-ce qu'on peut rédiger sa propre checklist? Alors la réponse évidemment c'est oui, hein, c'est l'objet de cette vidéo, sinon il n'y aurait pas cette vidéo. Mais pour ce faire, il faut quand même que vous maîtrisiez certaines bases hein, concernant la syntaxe. Il y a eu une syntaxe pour rédiger ces checklists et il faut les connaître. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble un fichier texte. Alors ici, je vous ai choisi un fichier, une checklist du PA31, qui a été rédigé par notre ami Jean-Pierre, qui est quelqu'un qui en a rédigé beaucoup. Et lui, il fait des checklists dynamiques, hein, il fait des checklists extrêmement élaborés, hein, toujours très détaillés. Dynamique, hein, vous voyez ici, donc ça amène à une rédaction quand même, vous voyez, un texte assez lourd, hein, ça peut paraître très technique. Donc ça c'est vraiment, alors Jean-Pierre il nous fait vraiment, c'est un peu la Rolls des checklists, il nous fait des checklists toujours comme ça, très très élaborées, très soignées, très complètes, très détaillées. Hein. Donc si vous cherchez une petite checklist comme ça pour un de vos appareils et que vous tombez sur une de celles qui a été faite par JP, hein, alias Goofy également, on le connaît également sous ce pseudonyme. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vraiment, ces checklists en général sont vraiment très très bien conçues. Il n'y a vraiment rien à dire. Vous avez vraiment tous les détails possibles. Voilà. À la limite, le seul reproche qu'on pourrait peut-être lui faire, c'est que c'est peut-être parfois trop détaillé. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très soigné ce qu'il fait. Ouais, c'est toujours très bien présenté en plus, hein, vraiment, c'est très très beau. Voilà. Vous pouvez également vous en inspirer. Donc normalement, hein, à l'issue de nos
de nos vidéos, bah, vous serez capable de rédiger tout ça. Hein, par vous-même, vous serez capable de concevoir une checklist qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Alors ça peut paraître vraiment très compliqué. Alors ça, il faut savoir que c'est quand même ce que vous allez trouver probablement de plus complexe, hein, dans les checklists. Dans les checklists, par contre, plutôt que je vais qualifier de passive, ça ressemblerait à ça. Hein, voilà, ici les expressions sont plus simples et c'est beaucoup plus facile à faire. Alors ça, c'est ici une checklist qui a été faite, je ne sais pas par qui. C'est peut-être moi d'ailleurs, j'en sais rien parce qu'il n'y a pas du tout dans tête. Donc c'est peut-être, je l'ai peut-être réalisé. En plus, le Beechcraft 1900, c'est un appareil que j'aime bien. Il est possible que je l'ai rédigé moi-même parce qu'elle n'est pas signée. Vous voyez, il n'y a pas d'entête, il n'y a rien du tout. Donc, je l'ai peut-être faite moi-même pour mon usage personnel il y a longtemps. C'est tout à fait possible. Je ne pourrais pas vous l'affirmer. Hein. Mais vous voyez qu'une checklist comme ça, alors là, pareil, hein, ça peut paraître assez complexe pour un débutant. À l'issue de cette vidéo, hein, vous serez capable de rédiger une checklist comme ça. Voilà, vous serez capable de faire ça. Et vous serez capable de faire une checklist passive pour n'importe quel appareil. Voilà. Et c'est à la portée vraiment de tous. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, donc, ça demande par contre quand même de maîtriser quelques éléments de syntaxe. Je vous rappelle que dans le répertoire du plugin que vous avez téléchargé, il y a également une documentation en anglais qui est disponible et qui est consultable au format PDF. Ça peut être une aide utile. Et c'est d'ailleurs sur cette documentation que je me suis basé pour faire mes vidéos. Alors, vous savez bien qu'il n'existe pas une checklist universelle. Tous les appareils ont des checklists différentes, hein, évidemment. Vous doutez bien que la checklist d'un, je sais pas, d'un ULM, hein, c'est pas la même que celle d'un gros liner. Voilà, hein, donc il faut aller se documenter. Alors, où trouver les informations? Parce que même si vous maîtrisez parfaitement la syntaxe du plugin, hein, ça va pas vous donner des informations sur les différents appareils. Alors, où est-ce que vous allez trouver la documentation nécessaire pour rédiger ces checklists? Et bah, tout simplement, dans un premier temps, dans le répertoire de votre appareil. Hein, la plupart du temps, les concepteurs d'appareils vous fournissent une documentation qui est dans le répertoire, hein, de l'appareil. Vous avez souvent un petit répertoire documentation. C'est généralement un ou plusieurs, d'ailleurs, un fichier PDF qui sont consultables. Vous pouvez y retrouver en général des checklists qui sont plus ou moins simplifiées. Ça dépend. Et vous pouvez donc tout à fait utiliser ça déjà pour concevoir, hein, vos checklists. Voilà. Si ça ne vous suffit pas, ou si vous voulez quelque chose de plus réaliste, eh bien vous pouvez également télécharger alors une documentation, hein, en fait les manuels vraiment réels, hein, de l'appareil. Hein, vous pouvez trouver ça. Alors il faut savoir que de nombreux appareils, hein, pour de nombreux appareils, vous pouvez trouver des manuels de pilotage qui sont téléchargeables au format PDF, en anglais, hein, évidemment, mais ça se trouve pour énormément d'appareils. Il suffit de taper le nom de votre appareil et de taper ensuite POH, hein, pour Pilot Operating Handbook. Vous tapez ça dans un moteur de recherche et souvent vous aurez des liens plus ou moins valides. Hein. Alors après, bon, c'est vrai que c'est un petit peu le hasard des moteurs de recherche. Bon, les recherches ne sont pas toujours fructueuses, mais souvent, hein, on va trouver comme ça des manuels qui sont téléchargeables. Certains, malheureusement, sont payants. Ça peut arriver. Certains sont difficilement trouvables, voire carrément introuvables. N'hésitez pas aussi à aller sur les forums parfois, hein, pour trouver des informations. Il y a parfois des gens qui arrivent à vous dégoter comme ça des manuels de pilotage ou à vous donner des informations. Ça peut toujours être utile. Mais donc pour concevoir une checklist, il faudra bien sûr connaître la syntaxe du plugin et également ensuite avoir les informations concernant l'appareil, hein, qui vous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant éditer une checklist, hein, techniquement? Est-ce qu'on a recours à un logiciel, etc. Bon, bah, en fait, pas vraiment, hein. C'est simplement un fichier texte, je vous le rappelle. Donc, c'est très très simple. Et ce fichier texte, vous allez pouvoir l'éditer avec tout simplement le bloc-notes, le notepad de Windows. Si vous êtes sous Windows, ou un logiciel équivalent, hein, et de même sous Mac et Linux, hein, vous avez des petits logiciels qui vous permettent d'éditer très facilement et très simplement ce type de fichier. Donc vous pouvez tout à fait télécharger
une checklist existante hein, qui a été rédigée par quelqu'un d'autre. Vous pouvez ensuite l'ouvrir et la modifier à votre convenance. Vous pouvez en changer l'apparence, vous pouvez en changer le contenu, hein, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Vous pouvez également, bien sûr, créer une checklist à partir d'une page blanche, à partir de rien. Vous dites, voilà, vous ouvrez un, vous fichez un, vous créez un fichier que vous appelez CList avec le Notepad. Et puis, en avant, hein, vous y mettez sérieusement, voilà, vous créez une checklist de A à Z. C'est tout à fait possible. Et vous verrez que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il vous suffira ensuite de placer ce fichier dans le répertoire de votre avion, de redémarrer, et il sera reconnu. Alors, la structure de base, hein, on va commencer déjà par peut-être le plus général. Une checklist, hein, vous savez que c'est une succession de pages. Alors c'est quelque chose qui va avec des pages comme ça qui vont se succéder. Alors évidemment, ce n'est pas une vraie checklist. Hein, là, c'est quelque chose que j'ai mis juste comme ça en exemple. Item 1. Donc n'allez pas vous embêter. Mixture le verre. Fuel quantity. Fuel quantity. Alors est-ce que vous entendez. Fuel quantity. Ce que vous entendez peut-être derrière, c'est la voix synthétique que je déteste. Voilà, je l'ai dit. Alors, la structure de base, donc, c'est comment en fait concevoir ces pages. Alors, si vous concevez une checklist à partir d'une page blanche, c'est peut-être bien déjà de créer peut-être des chapitres, hein, donc de créer des pages. Alors, bah, vous savez bien que dans une checklist, hein, vous avez une checklist pour chaque étape du vol. Vous en avez une avant le vol, hein, par exemple, vous avez une inspection extérieure de l'avion. Alors en simulation, bon, c'est souvent assez limité, hein, mais vous allez avoir une première checklist avant, par exemple, le démarrage des moteurs. Vous allez contacter la TIS, vous allez contacter la tour, etc. Hein, vous allez ensuite démarrer vos moteurs, le taxi, hein, tout ce qui est roulage. Vous allez vous arrêter, bien sûr, au point d'arrêt. Vous allez procéder à certaines vérifications. Vous allez décoller, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, vous avez une checklist correspondante. Hein. Vous en avez une pour le démarrage des moteurs, vous en avez une pour... le décollage, une pour la montée, une pour la croisière, une pour la descente, une pour l'atterrissage. Hein. Bon, je vais pas toutes vous les faire. Et donc, on peut arriver à des documents quand même assez conséquents. Et donc, il est évidemment important de les organiser sous forme de pages, hein, non pas de taper un truc comme ça en kilomètres avec des dizaines et des dizaines de lignes, hein, parce que ce serait vraiment fastidieux. Il faut noter également que je crois qu'on est limité à 29 lignes. Le plugin, hein, je crois, vous limite à 29 lignes, il me semble bien, par page. Donc si vous avez des pages particulièrement longues, hein, notamment sur des appareils très complexes, bah, il faudra diviser en plusieurs pages. Par exemple, avant le démarrage des moteurs, hein, si vous avez quelque chose de très long, bah, faudra peut-être faire une page, ça en deux pages, hein, vous ferez une page 1 sur 2, puis une page 2 sur 2, par exemple, hein, ou en trois pages. Voilà. C'est bien aussi de ne pas trop charger hein, les pages, de manière à les rendre plus lisibles. Alors, pour établir ces structures de base, donc créer des pages, eh bien vous avez une seule commande à connaître, hein, c'est swchecklist, deux points, et vous allez ensuite écrire le nom de votre checklist, hein, vous allez écrire le titre de la checklist. Par exemple, démarrage des moteurs. Alors, par convention, dans ma présentation, quand je vous mets comme ça une commande avec du rouge, tout ce qui est en rouge, c'est une instruction qui est destinée à être lue et exécutée par le plugin, mais qui ne sera jamais affiché. Ce qui est en bleu, en revanche, c'est ce qui sera affiché. C'est ce que vous verrez dans votre fenêtre. Je vous ai fait ici un exemple symbolique. On a ici, on retrouve notre commande sw-checklist, deux points. Donc ça, c'est la commande proprement dite. Et ça, c'est le titre qui va s'afficher dans votre fenêtre. Et là, je vous ai mis « Before Takeoff ». Et vous avez ensuite, hein, bien sûr, des items, hein, vous allez avoir des points à vérifier, qu'ici je n'ai pas détaillé. Je vous ai mis ici des tirets, juste pour symboliser que ça, c'est une première page. D'accord ? Vous avez une première page, et là vous avez une deuxième page, vous voyez, hein, et vous retrouvez votre commande. Cette commande-là, donc, hein, ça vous signale que c'est une deuxième page, et cette deuxième page, c'est pour le décollage, hein, take-off. Et là, à nouveau, vous allez avoir, bien sûr, hein, des points à vérifier. Concrètement, ça va se traduire comment ? Et ben, vous allez afficher comme ça des pages. Donc, vous allez avoir une première page qui va s'appeler Before Takeoff. Je vous rappelle que donc, c'est ici, c'est en tête là, avec les items à vérifier. Et vous allez avoir une deuxième page, hein, Takeoff. Ça va s'afficher comme ça, avec évidemment ici hein, chaque ligne à contrôler. Première page, deuxième page. Hein, et vous allez avoir comme ça les pages qui vont se succéder dans votre checklist. Hein, évidemment, il y en aura d'autres.
un exemple ici concret. Alors, celle-ci, on va la fermer parce que j'en ai plus besoin. Celle-ci, je vais la fermer aussi parce que j'en ai plus besoin et je vais garder celle-ci. Donc, vous voyez que ici, j'ai créé un fichier, un CList pour mon petit Cessna. Et ici, j'ai mis une première ligne, hein, SW Checklist. Hein, donc, vous retrouvez cette commande avec ici une première page, Pre-Flight. Une deuxième page ici, toujours annoncée par cette commande SW Checklist, Before Starting Engine. Et enfin, une troisième page que j'ai nommée Starting Engine. Et là, j'ai rajouté une petite chose à côté, j'ai mis deux points Start. Ça, on va le voir un peu plus loin. Alors, comment est-ce que ça va s'afficher? Ne vous occupez pas de ce qu'il y a en dessous, ce sera pour plus tard. Eh bien, tout simplement, ici, hop, on va aller redémarrer. Oui, on va le redémarrer. Hop, voilà. Donc, vous avez ici notre première page qui s'appelle Pre-Flight. Hein. Donc, je vous rappelle ici que voilà. Hein, donc, oui. Et en dessous, bah, vous voyez que j'ai laissé un espace vide. Alors, l'espace vide, hein, le plugin ne va pas en tenir compte. Alors vous pouvez laisser autant d'espace que vous voulez, hein, ça fera une page vide, voilà, ça ne vous fait rien du tout. Vous avez une deuxième page ici qui s'appelle Before Starting Engine. Donc vous voyez donc ici en bas de votre fenêtre, vous avez des petits boutons qui vous permettent d'afficher la page précédente ou la page suivante. Et donc ici, vous avez cette deuxième page. Et si on fait Next, vous allez tomber sur Starting Engine. Et donc ici, c'est notre troisième page. Donc vous voyez qu'en fait ici, on a tapé trois lignes. Et que chaque ligne en fait correspond à une page. Et donc ensuite ici, bah, il faudra aller compléter, hein, bien sûr, avec vos différents points à vérifier, hein, à contrôler. Ça, bien sûr, on le verra plus loin. Mais pour vous dire, vous voyez ici, vous pouvez déjà comme ça, hein, d'emblée, concevoir vos pages. Simplement, hein, même si ce sont des pages vides, vous pouvez déjà commencer par là, hein, quand vous rédigez une checklist, déjà par dire voilà, je vais avoir, je sais pas, 8 pages différentes, hein, pour chaque situation, ou 5 pages différentes. Et donc, vous les nommez. Et elles seront ensuite à compléter. Alors, avec un sommaire, c'est mieux. Vous pouvez créer un sommaire pour vous y retrouver plus facilement dans toutes vos pages. Si vous avez une checklist vraiment très élaborée avec beaucoup de pages, parfois on peut souhaiter d'aller se rendre directement sur une page précise. Et plutôt que de faire défiler toute la checklist, eh ben on peut créer un sommaire. C'est comme dans un livre, hein, plutôt que d'aller feuilleter un livre pour savoir où se trouve le chapitre 10, bah vous allez dans un sommaire qui va vous dire que le chapitre 10, il est à la page 250, et comme ça, vous allez pouvoir très facilement retrouver votre chapitre sans avoir à feuilleter des centaines de pages. Alors, pour ce faire, hop, vous avez une. En fait, c'est même pas une commande en fait. Hein. Vous reprenez la commande précédente. Hein. Vous avez vu que dans la commande précédente, pour créer une page, il suffisait de taper cette commande SW Checklist et ensuite de taper le titre qui sera affiché en haut de votre page. C'est le titre, hein. C'est le titre de votre checklist. Eh bien, vous allez rajouter ici un peu de texte. Hein. Vous allez remettre deux points et vous allez afficher. Vous allez taper un titre qui sera masqué. Ce titre-là ne sera pas affiché. Alors, en général, hein, les gens qui rédigent des checklists doublent simplement, hein, je vous ai mis, vous pouvez doubler le titre. C'est-à-dire que par exemple ici, si vous mettez take-off, bah, vous rajoutez ici take-off. Vous pouvez tout à fait mettre une abréviation, par exemple T.O, hein, pour take-off. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre page 1, page 2, voilà. Hein. Mais le plus simple et le plus clair, effectivement, c'est généralement de répéter, hein, ici le titre. Alors ça va se traduire comment ça? Bah, on va le regarder ici dans notre texte. Donc là je vous ai fait un exemple. Ici dans cette troisième page, hein, vous vous souvenez, hein, on avait tapé simplement, hein, dans les deux premières juste le titre. Et là j'ai rajouté deux points et start. Alors volontairement je n'ai pas rajouté starting engine pour que vous compreniez bien ce qui s'affiche de ce qui ne s'affiche pas. Hein. Ça c'est ce qui va s'afficher. Et ça c'est ce que vous allez retrouver dans le sommaire. Démonstration. Hop, on va chercher ici notre plugin. Checklist, checklist, et là vous avez start. Ouais. Hop là. Alors là, évidemment, j'y étais déjà, donc vous allez me dire ça sert pas à grand chose. Alors on va se placer n'importe où. Hein, voilà, on va se placer là. Et on va
Ensuite, si moi je veux revenir sur cette page qui m'intéresse, cette page Start, plutôt que de faire tout défiler, je vais aller directement là-dedans et je vais aller hop directement sur Start. Et voilà, ici, je vais sur cette page, alors évidemment qui est vide hein, parce que je ne l'ai pas remplie, mais là, je serai directement sur ma page, hein, sur ma checklist de démarrage des moteurs. Voilà, ça permet de faire gagner du temps. On peut l'utiliser ou pas. Mais c'est vrai qu'à la rédaction, ça coûte rien de doubler le titre. Ça ne coûte vraiment rien. Vous faites un copier-coller, hein, voilà, vous doublez le titre et ça vous permet comme ça d'avoir ensuite ce petit sommaire qui va s'afficher et qui va vous permettre de vous y retrouver éventuellement, hein, peut-être plus rapidement. Alors, c'est bien beau, mais vous allez me dire, pour l'instant, on a des pages avec des titres, on a des pages vides. C'est peut-être comme checklist, c'est peut-être pas très utile. Donc évidemment, il va falloir remplir ces pages, il va falloir y afficher du texte. Alors, comment afficher simplement du texte? Vous avez pour ça une commande qui s'appelle SW item void, deux points, et vous allez mettre ici ce que vous voulez, le texte que vous désirez voir apparaître dans votre page. Comme toujours, hein, je vous l'ai expliqué, ce qui est en rouge, c'est une instruction, ce ne sera pas affiché. Ce que vous aurez d'afficher, c'est uniquement ce que vous allez taper ici en bleu, après ces deux points, donc après cette commande. Ce texte, ça peut être simplement des spécifications de votre appareil, des informations générales, des recommandations, ça peut être n'importe quoi. On peut mettre beaucoup de choses. Ces lignes, c'est alors c'est les lignes que vous allez créer comme ça, elles seront simplement affichées, elles ne seront pas cliquables, hein, elles ne seront pas, n'auraient pas de cases à cocher et elles ne seront pas lues par le synthétiseur vocal. Alors, illustration, ici vous voyez que j'ai mis une page, après ces trois premières pages, j'en ai créé une quatrième, que j'ai appelée, hein, donc SW Checklist encore, hein. On retrouve toujours notre commande. Et là, vous avez Checklist for Cessna 172, j'ai mis comme nom de enfin, le nom qui apparaîtra dans le sommaire, ce sera Accueil, hein. Ça, ce sera le titre affiché, Checklist for Cessna 172, ça, c'est le nom qui apparaîtra dans le sommaire. Ensuite, ici, alors ici j'ai mis une ligne vide, mais bon, j'aurais pu m'en abstenir. Et ensuite, vous voyez, j'ai utilisé cette commande item void. Et là, j'ai rappelé donc checklist for laminar pour le Cessna 172 de laminar. Ici, j'ai affiché une petite ligne d'étoiles. Alors, je vous conseille, hein, quand vous pour rendre vos checklists peut-être un petit peu moins monotones et un peu plus lisibles. De faire des petites choses comme ça, hein. Des fois d'insérer des lignes comme ça avec des symboles, avec des étoiles, des plus, des tirets, des dièses ou ce que vous voulez, ou des slashes. Ça permet de rendre enfin, le texte un petit peu plus aéré et des fois un petit peu plus lisible. Hein. Et vous voyez que ici, ensuite, hein, j'ai mis un numéro de version, j'ai mis une date, et j'ai mis également, voilà, bah j'ai dit que c'était moi qui avais rédigé hein, cette formidable checklist. Voilà, hein, en tant qu'artiste, vous avez le droit de signer votre œuvre. Alors, plus sérieusement, le titre, ça c'est important de mettre l'appareil, parce que je vous rappelle que tous les fichiers s'appellent cList. Donc, si vous créez 50 fichiers cList pour 50 fichiers, enfin, pour 50 appareils différents, mais que vous n'indiquez pas à l'appareil auquel ces checklists sont destinées, vous serez bien avancé. Ça va être assez compliqué de s'y retrouver. Hein, donc toujours dans l'en-tête, rappeler, ça c'est quand même indispensable de rappeler l'appareil auquel ces checklists va s'appliquer. Hein. La version, ça peut être utile si vous voulez éventuellement, hein, ou la date, hein, pour un petit peu, si vous voulez faire évoluer votre checklist, hein, si vous voulez la modifier. Voilà, ça peut être utile. Et votre signature, bah votre signature, pour vous, ça a finalement assez peu d'intérêt. Par contre, ça peut avoir de l'intérêt si vous la diffusez sur le net. C'est bien voilà, de dire, voilà, c'est moi qui l'ai rédigé. Donc voilà, c'est une entête assez classique que vous retrouverez sur pas mal de checklists. Donc comment est-ce que ça va s'afficher à l'écran? Et bah tout simplement comme ceci. Voilà, donc là vous avez votre titre, et là ici ensuite vous avez donc checklist hein, for laminars Cessna 172, nos petites étoiles, la version 1, la date, une autre petite ligne d'étoiles, et ici notre signature. Voilà, donc ça pourrait être tout à fait la première page, par exemple d'une checklist, hein, une en-tête comme ça qui décrit simplement votre fichier. Et donc ça c'est uniquement du texte, et rien d'autre.
Vous avez une autre commande qui permet d'afficher du texte, qui est peut-être moins utilisée, mais que je vous signale quand même. C'est la commande swremark. Et là, comme toujours, vous avez ici votre instruction qui ne sera pas affichée, et ensuite vous allez avoir le texte. Alors, quelle est la différence avec la commande précédente, avec item void? C'est tout simplement que ici, ce texte pourra être lu par le synthétiseur vocal si vous avez coché bien sûr l'option de voix synthétique hein, dans les options ici du plugin hein. Alors nous on l'avait ici vous voyez un hein, voice prompt on l'a coché contact à ti set ultimate to QFE. Alors je suis pas sûr que ça s'entende très bien dans la vidéo, hein, mais ça vous a lu avec une voix très monocorde. Je vais vous répéter si vous ne l'avez pas entendu. Contact ATI set ultimate to QFE. Voilà pourquoi. Hein, voilà. Bon, c'est assez désastreux. Donc c'est pour ça que moi cette option-là, je préfère la décocher. D'ailleurs, je vais la décocher tout de suite parce que ça me casse les oreilles. Voilà. Alors je sais qu'il existe sous Windows des options qui permettent de changer les voix et peut-être de rendre cette texture un peu moins monotone, cette voix un peu moins monocorde et peut-être aussi de lire mieux parce que cet altimété, on aurait préféré entendre altimeter, mais voilà, contact ATI, on aurait préféré entendre contact ATIS. Malheureusement, ça ne lit pas tout de manière vraiment correcte. Donc c'est vrai que cette option, moi, je la décoche. Ou tout simplement, je n'utilise pas ici cette instruction. Hein. Mais bon, après, si vous vous sentez voilà, capable d'aller modifier les voix, etc., sous Windows, pourquoi pas. Hein, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Hein. Après, ça, c'est autre chose. Donc je vais passer assez vite là-dessus. Alors, cocher toutes les cases. Bah oui, dans une checklist, c'est peut-être bien de faire apparaître des cases que vous allez pouvoir cocher pour bien matérialiser hein, votre progression dans la checklist et surtout n'oublier aucune étape. Pour ça, vous avez une seule commande, une commande avec deux variantes en fait. Hein. Cette commande elle a deux variantes, c'est la commande switem, hein, tout simplement. Donc ça va se présenter comme ça dans votre checklist, hein, switem, deux points item, comme toujours le rouge n'est pas affiché, ce sera le texte en bleu qui sera affiché. Ça c'est la commande la plus simple, c'est pas forcément la plus utilisée, vous allez voir pourquoi. Alors ça va faire apparaître, hein, cette commande va faire apparaître deux colonnes dans votre checklist, une à gauche avec l'item à vérifier, et dans la partie droite de votre fenêtre, vous allez avoir la mention ici check, qui va apparaître. À gauche de votre texte ici, vous aurez également une case cochable qui va apparaître. On va voir ça tout de suite dans un exemple. Hein, d'accord ? Mais vous voyez que c'est une commande très simple. Donc ici, hop, dans la page accueil 3, vous voyez, j'ai rédigé ça, j'ai mis switem fuel quantity et switem météo. Donc ça va apparaître tout simplement, hop, ici. Fuel quantity check, météo check, et vous voyez au-dessous, il y a d'autres lignes, et là vous voyez, il y a du texte différent qui va apparaître. Alors pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est une variante de cette commande, ici de cette instruction, qui est décrite ici, et donc ça reprend exactement la même commande que précédemment, mais simplement ici, on va rajouter un séparateur, en rouge, vous voyez, cette petite barre ici rouge qui n'apparaîtra pas. Je vous rappelle que ce qui est en rouge n'est pas affiché. Et vous allez mettre ici une condition ou une valeur. Cette barre ici, pour ceux qui se poseraient la question, elle s'obtient tout simplement en combinant la touche Alt-Gr qui est située à droite de la barre espace du clavier et avec la touche 6 de votre clavier. En tout cas, si vous avez un clavier AZERTY comme le mien. Voilà. Alors cette instruction, alors la différence avec la précédente, en fait, c'est que simplement vous allez ajouter du texte ici. Vous pouvez ajouter n'importe quel texte. Donc vous allez avoir ici votre instruction et puis ici une condition qui doit être respectée. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on n'avait que la mention de check qui apparaissait. Là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hop, ici. Vous voyez ici, on retrouve nos deux premières lignes, hein, SWITM avec juste ici un item, hein, quantité de carburant, la météo,
et rien d'autre. Et ça, automatiquement, le plugin va vous rajouter check à côté. Ici, par contre, vous voyez qu'on retrouve notre instruction, enfin notre première intitulé. On retrouve ici notre petit séparateur qui a été rajouté. Et là, j'ai mis, par exemple, pour le frein de parking, j'ai mis 7, hein, serré. Ici, pour le sélecteur de réservoir, j'ai mis boss. Hein, vous voyez. Ici, pour les gaz, j'ai mis entre 1000 et 2000 RPM. Pour l'altimètre, j'ai mis 7 tout QFE. Ouais. Et à chaque fois, donc, j'ai rajouté ce petit séparateur. Ça va se traduire tout simplement comme ça dans votre checklist. Ouais. Ça va apparaître comme ça. Vous voyez que les deux premières options, c'était check. Hein. Les deux premières lignes, c'est check. Et là, à côté, bah, vous avez en fait n'importe quel texte, hein, qui va apparaître ici. Hein. Voilà. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Donc, cette deuxième commande est généralement plus usité parce qu'elle permet évidemment, hein, une possibilité de variantes quasi infinie. Vous pouvez marquer quasiment ce que vous voulez, hein, aussi bien des valeurs numériques que du texte. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, hein, dans cette colonne de droite grâce à ce petit séparateur. Hein, donc cette commande-là, généralement, c'est la commande la plus utilisée. Ensuite, quand vous êtes dans votre checklist, bah, vous allez cocher hop, vos items un par un. Faut pas rater la case. Ici, si je reviens en arrière, vous voyez que normalement, vous ne pouvez pas cocher une case si vous n'avez pas coché les cases d'avant. Vous ne pouvez pas en oublier. Hein. Si vous faites ça, puis vous sautez la météo, vous n'arriverez pas. Hein. Il faut vraiment les faire dans l'ordre. D'accord? Voilà, il faut cocher toutes les cases. Un raccourci pour aller plus vite. Et oui, les raccourcis, ça fait gagner du temps. Alors, vous avez vu que cocher chaque case à la souris, c'est un petit peu fastidieux, surtout quand vous en avez 150. Hein, bon. Alors, pour ça, bah, évidemment, il y a un raccourci. Ils ont pensé à tout. Il y a des raccourcis très simples. Alors, je vais vous montrer comment faire. Hein. Ça se fait vraiment en une minute. Vous allez ici dans les paramètres, hein, dans les réglages. Hop, vous allez afficher la fenêtre ici. Et vous allez aller dans, par exemple, clavier. Voilà. Donc ça, c'est pour, bien sûr, paramétrer un raccourci clavier. Dans votre champ de recherche, ici, vous allez taper « Bigood ». Et vous voyez que ici vous avez, voilà, un checklist, le menu checklist, X checklist plutôt, qui s'affiche. Et vous avez « Check item ». Alors, vous avez d'autres raccourcis possibles. Moi, j'en ai paramétré qu'un ici pour cocher les cases. Et sur mon clavier, j'ai mis la lettre « J », comme « Juliette », qui était libre. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez évidemment mettre une combinaison de touches et vous faites OK. Voilà. On va faire de même pour le joystick. Vous allez aller maintenant dans le joystick et là vous allez sélectionner une touche qui n'est pas attribuée. Bon, moi je vais prendre, enfin elle est déjà attribuée, donc voilà. Hein. Vous allez par exemple la touche 11, vous faites éditer, même topo, hein. Vous tapez Bigood. Vous retrouvez ici votre menu. On va aller en check item, hein, ici. On pourrait mettre autre chose, hein, mais j'ai mis hop, check item. Vous faites appliquer et vous faites OK. C'est paramétré. Ça va donner quoi? Et bien, tout simplement ceci. Vous voyez que ici, plutôt que d'aller cocher, hein, à la souris vos items, on va les cocher avec le clavier. Alors par exemple avec le J. Ouais, c'est beaucoup plus pratique. D'accord? Vous pouvez également faire ça avec votre joystick, avec le bouton du joystick. Hein, ça aura exactement le même effet. Hein, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Voilà. On a pu à s'amuser avec la souris. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je vous conseille de faire. Ça vous fera gagner du temps et ça vous évitera de criser avec votre souris, hein, pour aller viser les petites cases, surtout quand vous en avez un grand nombre à cocher. Mais que fait la police? Alors, la police de caractère, bien sûr. Est-ce qu'on peut modifier la police, hein, ici dans notre fenêtre? Est-ce qu'on peut mettre un autre format de caractère, une autre police? Est-ce qu'on peut mettre du gras, du souligné, de l'italique, etc.? Est-ce qu'on peut mettre des caractères plus gros? Alors, malheureusement, non, apparemment. Enfin, en tout cas, c'est pas faisable simplement. Je vous dis pas que c'est impossible si vous allez bidouiller dans le plugin, mais enfin, ça ne fait pas partie pour l'instant des paramètres qu'on peut changer. Par contre, vous pouvez modifier la couleur du texte. Alors ça, c'est important.
Alors voilà, le même plugin mais en couleur. Hein, voilà. Et vous allez pour cela définir une table ici avec les couleurs. Hein, donc je vous ai donné. Alors en fait, pour définir les couleurs, hein, vous voyez, ce sont des couleurs définies sur le mode RVB, hein, avec ici une valeur qui va de 0 à 1 hein, pour chaque couleur. RVB, donc c'est la combinaison de ces trois couleurs. Et vous notez que vous pouvez avoir un grand nombre de couleurs. Alors en pratique, vous allez voir qu'en fait, on n'en utilise généralement pas autant. Et on va voir pourquoi. Donc cette table ici, il faut bien la connaître. Alors ça, je vous rappelle que vous allez trouver ça dans la documentation du plugin. Hein, quand vous allez aller dans le petit répertoire du plugin X Checklist, hein, vous allez dans la documentation. Le fichier en PDF, vous allez trouver hein, normalement des choses comme ça. Hein, donc vous pouvez tout à fait les copier à partir de là. Cette table, elle doit être copiée en début de fichier. Donc ici, je ne vous l'ai pas montré, mais hop, quand vous remontez tout en haut du fichier, vous voyez cette table ici, elle est recopiée là. Là, j'ai mis des tirets, mais c'est juste moi pour séparer ça du reste de la checklist, hein, comme j'ai laissé ici un grand espace. Mais ça, le plugin va totalement l'ignorer. Hein. Ça n'a vraiment. Vous pouvez aller taper ce que vous voulez, hein, ça n'aura aucune incidence sur la lecture de votre fichier. Hein. Le plugin, lui, ce qui lui parle, il va le lire, ce qui ne lui parle pas, il va l'ignorer. Donc ça, c'est juste pour vous, pour rendre, hein, pour bien séparer cette partie-là du reste. C'est tout. C'est juste pour une question de lisibilité. Ensuite, pour mettre en couleur la partie du texte qui vous intéresse, eh bien, il faudra utiliser ici ces balises. Hein. Ici, c'est deux points. Hein, voilà, un tiret bas, c'est deux points. Je ne sais jamais si c'est le slash ou l'anti-slash, mais enfin, peu importe. Hein, vous mettez ce caractère. Je crois que c'est peut-être bien un slash, mais je ne suis pas sûr. Ou peut-être un, non, c'est peut-être l'anti-slash celui-là. Et puis, donc, ici, le texte sera affiché dans la couleur que vous avez définie, ici, dans la balise. Vous pouvez également rajouter une balise dans la même ligne, hein, de manière à avoir différentes parties du texte avec des couleurs qui ne sont pas forcément les mêmes. On va illustrer ça tout de suite. Par exemple, hein, vous tapez ici une commande item void, c'est une commande, je vous rappelle, juste d'affichage. SW item void, ici green. Et là, le texte qu'on veut afficher, c'est une vitesse de rotation à 65 nœuds. Et bien, à l'écran, vous aurez ça qui va s'afficher. Vous aurez votre vert égale 65 nœuds qui va s'afficher en vert parce que vous avez ici une balise de couleurs. Maintenant, si on met ici une ligne à cocher, SW item, hein, donc tiret, C deux points. Ici, j'ai mis une balise orange, mixture levers, votre séparateur. Et dans la partie droite, donc cutoff, et vous voyez qu'ici j'ai introduit une autre balise de couleur, c'est dans la même ligne, hein. J'ai mis la couleur cyan. Et vous voyez que ça va donner ici ceci, hein, la case à cocher bien sûr. Mixture levers avec la balise orange, ça apparaîtra en orange. Et vous avez ici le cutoff qui apparaîtra en cyan, hein, puisque ici vous avez une balise de couleur juste avant qui vous indiquait cette couleur. Je vous ai mis ça ici. Voilà pour m'amuser, hein, vous voyez, je vous ai refait ici ça, et à chaque fois j'ai mis ici des couleurs différentes. Donc ça va donner quelque chose d'assez coloré. Voilà, ça va donner ceci. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis plein de couleurs comme ça? Bah, c'est pour vous montrer que toutes les couleurs ne sont pas tout à fait égales. Hein. Alors vous voyez que certaines couleurs apparaissent plus ou moins bien. Alors là par exemple, hein, vous voyez que dans Park Break, j'ai mis du jaune foncé. Et là, pour le 7, j'ai mis du bleu. Vous voyez par exemple que cette couleur bleue, si vous êtes sur du sombre, ça n'apparaît pas du tout. C'est vraiment pas du tout lisible. Donc le bleu, hein, ce bleu foncé, là, ce sera vraiment une couleur à éviter. Il faudrait vraiment être sur un. Voilà, faudrait vraiment avoir un fond assez clair pour que ça apparaisse. Vous voyez qu'en fait, les quelques couleurs qui se détachent, hein, qui sont vraiment visibles, c'est le vert, le jaune, le cyan. On a également ici le magenta. Alors, on a à peu près ces quatre couleurs qui se détachent. On a également le rouge et le orange qui se détachent, je dirais un peu moins. Après, on a d'autres. Ça doit être light cyan, je pense. C'est ce qui se détache également. Hein. On a peut-être 5-6 couleurs qui se détachent vraiment.
Pour vous en rappeler, enfin moi je m'en rappelle comme ça, vous pensez aux, vous savez, les surligneurs, les stabilos, là, les feutres fluo, alors ils en ont sorti de plein de couleurs différentes maintenant, mais les premières couleurs, hein, vraiment, qui étaient les plus flashy, c'était le jaune, le vert, le rose, enfin le rose magenta un peu, hein, le orange, le bleu était un peu moins flashy, hein, je crois qu'il y avait comme ça 5, 4, 5, 5 couleurs, je crois, hein, et c'est les couleurs que vous allez retrouver ici, hein, vous allez retrouver. Le bleu, hein, ce bleu-là, ce vert, pardon, là, je suis daltonien, moi, le vert, vous avez en dessous, vous voyez, le vert en dessous, il se détache un peu moins bien, c'est un vert foncé, je crois, ouais. Il est un petit peu moins contrasté, non, c'est vraiment le vert, le cyan et le jaune, c'est vraiment, je dirais que c'est le tertiaire de tête, vous avez également le magenta qui est pas mal, c'est les 3-4 couleurs qui se détachent le mieux, après vous avez le rouge et l'orange, après les autres, c'est, je trouve, c'est moins beau, hein. Donc, si vous pouvez vous limiter à ces six couleurs-là, et le blanc également. Le blanc aussi, c'est pas trop mal. Le blanc, même si on se met sur un fond clair, le blanc se détache encore. Le noir, vous voyez rien du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, le noir, faut vraiment l'éviter. Le noir, le bleu foncé, là aussi, faut l'éviter parce que vraiment, c'est une couleur qui n'est pas du tout lisible. Donc, vous pouvez vous limiter à une demi-douzaine de couleurs pour faire votre checklist. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, présenter une checklist comme ça, c'est peut-être décoratif, mais c'est pas vraiment très fonctionnel. Voilà, hein. Moi je fais comme ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus clair. Donc ici vous voyez dans ma page ici, accueil 6, hein, j'ai mis la même mais en couleur, hein, voilà. Ça apparaît en cyan, hein, ici, vous voyez. Et puis pour le reste, vous voyez que j'ai mis mes commandes. Et dans la partie gauche, j'ai mis ici une balise jaune. Hein, et dans la partie droite, j'ai mis du vert. Donc vous voyez ici la colonne gauche apparaît en jaune. La partie droite apparaît en vert, ça permet de séparer les deux, hein, de bien les différencier. Et j'ai utilisé ces deux couleurs qui, je trouve, sont peut-être les plus lisibles. Voilà. Et pour les titres en haut, bah, éventuellement, vous pouvez utiliser une autre couleur comme le bleu, par exemple, ou le magenta qui se détachera assez bien. Pourquoi pas du blanc, hein. Mais les autres couleurs, après, bon, éventuellement du rouge, mais bon, je vous conseille pas. Là, vous avez, je dirais, le tiercé gagnant, hein. Après, à vous de l'avoir dans l'ordre ou dans le désordre, mais vous avez les couleurs les plus, je trouve, les plus adaptées, enfin, les plus visibles, les plus lisibles. Voilà. Donc, pour les couleurs. Vous verrez que parfois, vous téléchargerez peut-être des checklists qui sont un petit peu anciennes et qui n'étaient pas colorisées. Parce que enfin, les couleurs, hein, les couleurs de texte, c'est dans les dernières versions du plugin. Les versions plus anciennes du plugin, on n'avait pas, je crois, accès aux couleurs. Et donc, bah, les gens rédigeaient à l'époque leur checklist avec ce qu'ils pouvaient faire. Donc, c'était du monochrome. Alors, le monochrome, hein, je vous le rappelle, on l'a ici. Hop, 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 je sais plus très bien, bah, peut-être là, voilà, hein, ça donnait quelque chose comme ça, où tout était sans cette même espèce de couleur un peu bleu-vert. Or bon, c'était lisible, hein, mais c'est vrai que c'est un peu monotone. Hein, c'est sûr qu'après, quand vous allez, alors là, hop, quand vous arrivez à ça, je trouve que ça, c'est quand même un petit peu plus lisible et un peu plus agréable aussi à lire. Hein. Voilà, c'est plus agréable. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait, bah, télécharger ces checklists, les ouvrir avec le Notepad et puis ensuite les coloriser tout simplement en rajoutant ces balises de couleurs, hein. Vous pouvez ensuite rajouter ces petites balises, hein. C'est très simple à faire. Ça prend évidemment un peu de temps si vous avez beaucoup de lignes et vous pouvez comme ça obtenir la même checklist mais avec des couleurs, ce qui va la rendre un petit peu plus agréable. Allez, on continue. Savoir tourner la page. Et ce sera, je crois bien, la fin de notre présentation. C'est une dernière commande qui est facultative, mais ça va ajouter un petit plus. Vous pouvez, alors, hein, simplement, je vous rappelle que quand vous êtes ici dans votre checklist, hein, vous pouvez naviguer avec les boutons en bas qui sont donc précédents et prochains. Hein, voilà, hein, la page précédente et la page suivante. Bon, il faut avoir recours à la souris, ce qui n'est pas très compliqué, mais on peut également avoir une petite fonction qui va s'avérer finalement assez utile. Ah, j'arrive pas à retrouver, voilà, ma page. C'est cette fonction SW continue. Et il en existe une variante, hein, qui n'est pas très compliquée d'ailleurs. Bon, on va commencer par celle-ci. Alors, SW continue, bah, en fait, vous allez la rajouter en fin de page. Donc là, je ne l'ai pas mise partout. Je l'ai mise ici, par exemple, sur ma page d'accueil numéro 8, accueil 8. Vous voyez que j'ai mis ici mes items, voilà, hein, quelconques. Et puis, en dessous, j'ai rajouté SW continue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez comprendre tout de suite. Donc, on va aller dans notre page ici, hop, accueil 8. Voilà.
Donc rien de bien nouveau. On va cocher nos items, donc avec mon raccourci clavier. Hop, voilà, très rapide. Et vous allez voir que là, je vais cocher la dernière case. Et hop, c'est magique, enfin ou presque. On arrive automatiquement à la page suivante. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Oui, ça vous évite d'avoir à cliquer sur le bouton Next à chaque fois et d'utiliser la souris. Voilà. C'est une petite fonction, hein, une petite instruction qui est bien pratique. Voilà. Et puis en plus, il suffit de faire un copier-coller hein, à la fin de chacune de vos pages. Et automatiquement, ça vous tournera la page suivante quand vous aurez tout validé. Donc c'est une fonction que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également la compléter. Donc c'est exactement la même fonction. Donc je vous rappelle que c'est que en rouge parce que là évidemment ça n'affiche rien. Hein, ça ne fait que tourner la page. Ça ne vous affiche aucun texte. Donc là il n'y a pas de bleu. Hein. Vous voyez, il n'y a rien à afficher. Vous pouvez taper exactement la même fonction ici, la même instruction, mais vous allez ici rajouter le titre de la checklist et ça va vous envoyer vers une page spécifique. Donc simplement, alors je crois que je l'ai fait ici par exemple, hein, vous voyez, j'ai mis SW Continue After Landing. Alors vous voyez que ici, si vous regardez comment se suivent ces trois pages, j'ai une page ici qui s'appelle Landing. J'ai une page ici qui s'appelle Missed Approach, hein, c'est une approche interrompue, et j'ai une troisième page ici qui s'appelle After Landing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si je tourne mes pages manuellement, normalement, hein, je vais avoir cette page ici qui va s'intercaler avec ça. Hein, normalement, on devrait avoir Landing, Missed Approach, et ensuite After Landing. Et bien, grâce à cette fonction-là, je vais sauter cette page-là parce que cette page d'approche interrompue, je n'ai pas forcément envie de la voir, hein, puisque c'est quelque chose, c'est une procédure, je dirais, un peu exceptionnelle. Hein. Une approche interrompue, ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. L'occasion peut se présenter, bien sûr, hein, mais c'est quelque chose, en général, quand on fait une approche, hein, bah, enfin, quand on atterrit, on atterrit. Hein, voilà. Alors, on ne fait pas une approche interrompue. Donc je n'ai pas forcément envie d'avoir cette page qui s'affiche automatiquement. Et donc j'ai mis ici cette instruction qui va me permettre de sauter systématiquement cette page. On va retourner ici sur cette page que j'ai nommée Landing 2. Hop, hop, hop. Landing 2. Je vais cocher mes trois cases et vous allez voir qu'on va directement passer à After Landing. Voilà. J'ai sauté la page d'approche interrompue qui est, vous voyez, si je fais Previews, et pourtant elle est bien là. Hein. Elle est bien là, mais on l'a sautée. Voilà. Si j'en ai besoin, bah, il faudra que j'aille la chercher manuellement ici. Hein. Si par exemple je rate mon atterrissage et qu'il y a un problème, voilà, hein, bah, je vais la chercher ici. Je l'ai nommé API 2. Bon, on y est, hein, mais voilà. Ou simplement ici, une fois que j'ai validé mon approche ici, enfin mon atterrissage ici, que j'ai validé mes trois items. Ici, si je veux faire une approche interrompue, là par contre, il faudra que manuellement j'aille chercher voilà, mon approche interrompue, ma checklist d'approche interrompue. Voilà. Et c'est ce qui va mettre fin à cette présentation. On a tout vu. On a tout vu. Donc je vous rappelle que avec finalement très très peu de commandes. Hein. Vous pouvez, il y en a, vous voyez, ici c'est la première commande, hein, ça en fait une, ça c'est pour afficher le titre. Vous avez ici pour afficher du texte, ça en fait deux. Celle-là, on peut la sauter parce que franchement, elle n'est pas indispensable. Hein. Voilà, hein. On va pas la compter. Ensuite, vous avez cette commande-là qui est importante avec surtout cette commande-là. On va compter deux commandes, hein, voilà, deux lignes d'instruction comme ça qu'il faut connaître, qui sont en fait des variantes, ça en fait quatre. Pour mettre de la couleur, bon bah voilà, hein, ça vous en fait une de plus. Ça c'est facultatif, mais c'est vrai que c'est bien de les mettre en couleur, votre checklist. Et puis ensuite, vous avez cette commande-là. Donc vous voyez qu'avec en gros 6 commandes, hein, 6-7 commandes, allez, on va bien même dire 8, vous êtes capable de rédiger n'importe quelle checklist passive. Vous pouvez faire des checklists de 50 pages si ça vous amuse. Vous pouvez les mettre en forme et vous aurez quelque chose qui ressemblera à ça. Mais bien sûr avec des checklists beaucoup plus compliqués, hein, avec autant de pages que vous voulez, hein, vous pourrez faire autant de pages que vous voulez. Voilà, et vous pouvez même aller bien sûr les cocher, voilà, hein, comme ça. Vous pouvez les cocher avec des raccourcis clavier pour aller plus vite. Voilà. Donc vous voyez que
C'est vraiment à la portée de tout le monde, hein, et donc vous allez ensuite réaliser, hein, voilà, des checklists comme ça. Alors, enfin presque comme ça. Là, on prend un peu d'avance. Vous voyez que en fait, là, on va aborder dans une deuxième partie, mais ça, ce sera dans les vidéos suivantes. On va aborder comment faire des checklists dynamiques. Alors, la différence, je vous refais une petite introduction pour ce qui va suivre. Hein, la différence entre une checklist passive et une checklist dynamique. La checklist passive, vous voyez qu'on était obligé d'aller vérifier chaque item. Est-ce que le frein de parc est bien serré? Oui, je coche. Est-ce que, je ne sais pas, les feux de navigation sont allumés? Oui, je vais cocher ma case et ainsi de suite. Là, dans les checklists dynamiques, c'est comme si vous aviez un copilote à côté de vous qui se chargeait de vérifier que les conditions que vous avez fixées ici sont bien remplies et la case va se cocher automatiquement dans l'ordre de votre checklist. D'accord. Et pour ça, bien sûr, ça ne se fait pas automatiquement. Il va falloir rajouter une instruction qu'on appelle une dataref et lui fixer une valeur ou une condition. Et là, vous allez voir que les choses vont quand même se corser singulièrement, mais ça reste quand même tout à fait abordable pour tout le monde, hein. Vous allez voir que quand on a compris un petit peu le principe, c'est finalement pas si compliqué que ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est relativement simple à faire. Mais si vous ne voulez pas rentrer forcément, hein, dans des choses comme ça, où vous vous dites, bon là, la formulation, ça me paraît un petit peu compliqué, j'ai pas trop envie de m'embringuer là-dedans, et je peux le comprendre, vous pouvez faire de simples checklists ici dynamiques, hein, passifs, pardon, ici, hein, des checklists comme ça qui sont passifs, que vous pouvez cocher manuellement, qui sont tout à fait corrects, hein, et ça vous évitera de vous trimballer des bouts de papier. Voilà, et vous avez des choses qui peuvent être tout à fait réalistes, et surtout, vous pouvez les faire sur mesure. Hein, vous pouvez les faire, bien sûr, à votre convenance. Voilà, pour cette petite vidéo. Je vais vous quitter sur ces belles paroles et puis sur cette vue ici de notre Cessna 172, voilà, hein, de la Minard. Je crois qu'on est ici sur l'aéroport de Punta Cana, il me semble bien. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles images. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre immense attention et pour votre fidélité. Et je vous retrouve, j'espère, assez rapidement pour les vidéos qui vont suivre et que je vais consacrer aux checklists dynamiques. Mais là, il va me falloir laisser un petit peu de temps parce que en ce moment, j'ai un petit peu de mal. Hein. Vous avez vu, je me suis absenté quelques mois. Bon, voilà, ça prend du temps de faire des vidéos comme ça et c'est pas toujours évident non plus de trouver des thèmes qui m'intéressent. Voilà. Encore une fois, je vous remercie et à très bientôt.